Ouais Lionel, je t'écoute. T'as du nouveau ? Oui, j'ai eu Rémi. Faut agir avant la fin de la semaine. Après leur va quitter la Guyane, la Canadian Call rapatrie tout en Suisse. T'en fais pas, ça se présente bien. Je suis en route pour leur livrer de l'essence. Ils se doutent de rien. Je te laisse récupérer les autres. Je t'appelle quand j'arrive à Cayenne. Bien sûr. C'était Virgile. Je voulais savoir si on avait besoin d'essence. Je lui ai dit qu'il était trop cher pour nous. Tu devrais surtout lui dire d'arrêter de bosser avec les clandestins. Il va finir par se faire choper. Salut Roger. Alors, tiens, ça va? Et toi? Merci. Tu veux faire une bière? Avec plaisir. Voilà. Je t'attendais plus tôt. Donc ça t'empêche pas de me payer. Baby, c'est 3 barils d'essence. Salut. Ton matériel est arrivé.
Je t'en remercie. Je passerai le prendre plus tard. Tu remarqueras que je pose pas de questions. À ce prix-là, j'espère bien. Bon appétit. Pour l'essence, faudra attendre un peu, j'ai les flics sur le dos. De toute façon, j'arrête. Je prends ma retraite. Rassure-moi, on va pas dans la jungle. Je suis content de te voir. Bienvenue, c'est Miguel. Il est rentré chez lui après 3 mois de Zimbabwe, il s'est tiré une balle dans la tronche. Tout seul comme un grand. T'as peur d'être le prochain? Moi, j'ai raccroché, moi. Je suis dans la restauration, maintenant. Tiens, j'ai un resto à Jean Lépin. Regarde. Ça marche du feu de Dieu. Hey, pour ça que t'es là. Quand je bouge pas, je m'emmerde. Et je vais passer mon temps à servir du bar aux fenouilles. Et Lionel, t'es toujours dans le coin? Je cherche de l'or. Comment il va? Il s'est marié. Ah. Et il part avec nous. Et personne d'autre. Personne d'aussi efficace, non? Ça va, mon ami. Je vous présente pas. Allez. T'arrives d'où? Caracas. Y'a quelque chose contre l'avion? Je suis pas pressé. Tu racontes ce que tu proposes au lieu de te marrer, toi? 600 kilos d'or. En plus, c'est quasiment une bonne action. Parce que la Canadian Gold, elle se contente pas d'exploiter le site. Elle recycle aussi l'or des Garimperos. Ils achètent environ 13 000 euros le kilo dans les comptoirs situés dans la jungle. Ils le fondent et ils le revendent 20 000 en Suisse. En d'autres termes, ils blanchissent l'or des clandestins. En hélico, la mine est à moins d'une demi-heure de la frontière brésilienne. Au début, je voulais intervenir sur le tarmac de Cayenne. On aurait eu tout le monde sur le dos. La gendarmerie, la Légion, tout le cirque. On dit que là, on sera à Rio avant même qu'ils aient compris ce qui leur arrive. L'or, c'est pas traçable. C'est sa qualité principale. Une fois fondu, personne ne saura plus d'où il vient. 2 heures après avoir récupéré l'or, on aura des papiers et le soir même, on dansera la samba. Avec 120 kilos d'or chacun. Le matériel, on fait comment? Quelqu'un qui s'en occupe. Il y en a combien? Avec Lionel, 5. Et 120 kilos d'or, ça fait combien au juste? Un peu plus de 2 millions d'euros. Chacun. Et bon, le Chablis. Virgile pour Lionel. Virgile pour Lionel. Je t'écoute. Tout le monde est là. On n'attend plus que toi. J'ai encore quelque chose à faire, mais t'en fais pas, je serai là. Après-demain, tu prends le vol pour Paris. Et tu reviens pas tant que je t'ai pas appelé. Je veux pas qu'elle travaille, mais je veux pas qu'elle travaille. Combien de temps vous le dites? C'est Pipalei qui l'a fait, que c'est Helposa. Elle est enceinte.
Qu'est-ce que tu veux ? Dis au revoir. Désolé, la Canadian Gold offre de meilleures garanties.
On a fait la demande avant eux. Comment pourriez-vous exploiter une telle surface? Je vais trouver des solutions. Et puis, à ce rapport de la gendarmerie indiquant que le mois dernier, vous avez transporté un clandestin blessé à l'hôpital. Un gosse de 15 ans. Il avait une fracture ouverte au bras et il est venu nous demander de l'aide au milieu de la jungle. Vous voulez que je fasse quoi? Que je le laisse faire bouffer par la gangrène? On vous soupçonne de socialisation avec les clandestins. De quoi? Mais vous foutez de moi, quoi? Ils viennent de tuer mon mari. Je dois annuler votre autorisation d'exploitation. Croyez bien que, vu les circonstances, j'en suis désolé. Vous me voulez ma concession? Madame, je comprends que la période soit difficile, mais je vous demande de faire attention à ce que vous dites. Vous vous rendez compte de ce que vous faites? Je suis endettée jusqu'au cou. Sinon, c'est tout ce qui me reste. Je peux peut-être vous trouver un emploi à la municipalité? Bon, tout ça, c'est bien gentil, mais l'or va pas nous attendre. Et le gars qui a passé les matériels. Maurice, je crois pas. Son business va bien, il y a trop à perdre. Je peux vous trouver un pro dans les 48 heures, si vous voulez. Si je passe un ou deux coups de fil. Ça risque de faire juste. Ils doivent rapatrier l'or sur Cayenne dans 3 jours. Ils ont déjà sorti tout ce qui provenait des autres sites. Faut qu'on bouge avant. Sinon, on laisse tomber. Oh, putain, c'est pas vrai. Une occasion pareille, ça se représentera jamais. Je prends la place de Lionel. Qu'est-ce que tu fous là? La Canadian Gold voulait notre concession. Je crois que ce sont eux qui ont demandé au Garrick Perrault de nous attaquer. Oh Virgile, on peut savoir ce qui se passe? D'abord, c'est qui cette fille? C'est la femme de Lionel. Sans lui, on serait pas là. Sa part lui revient. Ouf, ta gueule. On est 5. Stava di ferci, poi che io un giro, ce n'è un contro, là è un punito. Come la conta? Ma tardi.
Si t'es là, t'es là. Allez, tenter rien, j'en ai pas. Je vais acheter un rien de Taroudan, mais j'ai eu peur que ça fasse vieille folle. En attendant, à partir de maintenant, t'es censé être un banquier suisse. Merci. Oui. Une petite bière ? Deux. Qu'est-ce que tu fous là, toi ? Je suis venu parler affaires. Je t'ai amené un acheteur. Je me suis dit que t'avais peut-être envie de te faire un peu de pognon. Je t'écoute. La cognade, que tu fasses ahí. Comment ça va? Tu as qui Roger Victor quand t'es sérieux? Chaque fois que je te livre de l'essence, j'en pars avec un chargement. Tu vas acheter mon or. Tu gagnes en sécurité et en frais de transport. Je suis sûr que je peux t'offrir un meilleur deal que celui que t'as. Qu'est-ce qui dit que j'ai pas déjà un meilleur deal? Je te présente Monsieur Ziegler, qui a tenu à venir personnellement jusqu'ici pour te faire une offre. Vous êtes d'où? Zurich. Mais je travaille déjà beaucoup avec le Brésil. À combien vous achetez? Officiel. Mon or, lui, il n'est pas. Avec moi, il va le devenir. Chacun son métier. Quelle quantité? Tout ce que vous pourriez trouver. En fait, ce serait plutôt à moi de vous poser des questions. Pourquoi j'aurais confiance? Parce que tu me connais. J'arrive.
passe mardi pour l'essence. Je te laisse le temps de réfléchir. Depuis quand tu t'intéresses à l'or? Depuis que j'ai décidé d'être riche. Mais t'es pas fait pour être riche. J'ai juste besoin de te faire peur. À ton avis, pourquoi je bosse avec toi? Tu retournes pas. Tu crois que j'aurais dû prendre l'accent suisse? Saint-Laurent pour Melchior. Saint-Laurent pour Melchior. Et voilà, témoin. Ouais, Melchior, je vous écoute. Les squads sont arrivés. Ah ouais, je viens de les voir passer, là. Vous devriez peut-être vérifier la livraison. Ok, je vais passer au labo. T'as le droit de donner un coup de main, hein. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette conne? J'en sais rien. Je dis qu'on se barre sans elle. Hein. On se casse.
T'aurais pu tous nous faire tuer, bordel! T'es complètement taré! Tout ça pour une pute! Mais c'est pas une pute! Elle travaillait pour c'est moi! C'est pas la peine de s'énerver! Il n'y a pas de blessés, on s'en sort bien! Ça se discute. On a été touchés. On n'arrivera jamais jusqu'au Brésil. On est trop lourd. Quand je voulais, ben on n'en serait pas là. En toi, la pute, tu t'approches pas de l'ordre, tu comprends? Tu ne parles pas comme ça. Tu parles comme je veux, et à toi aussi. Parce que si on est dans la merde, c'est à cause de toi. Qu'est-ce que tu viens nous faire chier, tes conneries? T'as pas suffi de faire buter ton mec? Je t'ai dit de fermer ta gueule. Quoi? Je t'ai dit de fermer ta gueule! Donne-moi. Donne-moi. Lâche ça. Pour lui dire. Il doit déjà savoir qu'on s'est posé. Trouver un autre hélico. Vérifiez si vous avez du réseau. Vérifiez si vous avez du réseau. Non. On est tombé sur le rame. Faut qu'on bouge. Faut qu'on bouge vite. Il y a juste un petit problème. 600 kilos d'or, ça reste 600 kilos. Ah. Comment on va les porter sur notre dos? On va fabriquer des brancards. Comme ça. Oh. Elle a raison. On avance trop lentement. Et en plus, on laisse des traces trop visibles. Bon. Il n'y a qu'une solution, alors. Enterrer l'or. Tu déconnes? On reviendra te chercher plus tard. Oui, moi, j'aime pas beaucoup l'idée de partir les mains vides. T'es jamais sûr de pouvoir revenir, de toute façon. On n'est peut-être pas obligé de tout enterrer. Ouais. D'accord. Chacun prend ce qu'il peut porter, 20, 30 kilos, et on enterre le reste. Ok. La frontière, quoi, une soixantaine de kilomètres. Une fois au Brésil, on loue un hélico, et une heure après, on aura récupéré l'or. Bah pourquoi on prendrait que 20 kilos? On peut prendre 30 kilos chacun, ou 40, ou 50? Prendre 200 kilos, si tu veux, c'est toi qui portes. Ah.
Non, moi, c'est putain de fourmis, là. Ça, tu touches pas à ma part, ok? Merci. Je vous donne les coordonnées GPS. 2 degrés nord, 33 minutes, 58 secondes, 53 degrés ouest, 48 minutes, 10 secondes. En allant vers le sud, on tombe sur la Sapokai. Et ensuite, on la suit jusqu'à la mer. Plus de petite minière, c'est devenu n'importe quoi. On regarde en Afrique du Sud. Mais qui descend à plus de 3000 mètres sous terre, ça sera mort par an. Tu sais pourquoi? Parce que c'est les multinationales qui dictent les conditions. Communistes? Non, géologues. Je les connais. La vérité, c'est qu'on a laissé tomber les mineurs. Quand tu pars en opération et les hommes armés évitent de parler politique. Ça rallonge ton espérance de vie. Des dizaines de milliers de clandestins dans cette jungle. Ils sont tous équipés d'une radio. À l'heure qu'il est, ils doivent tous vouloir nous faire la peau. Ces clandestins, ils ont autre chose à foutre que de courir après. C'est juste des pauvres mecs qui essayent de nourrir leur famille, c'est tout. Parlez-moi et de marcher plus vite. T'as à prendre, toi? Tu sais où tu vas? Tu veux prendre ma place?
mordu. Non, 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 et ça va être ma fièvre. Dis que c'est pas dangereux, qu'il risque juste d'avoir un peu de fièvre. Ouais, et c'est ce gourd. Mais c'est ce gourd, tu vas crever. Le fleuve. Ah. 8 km en 6 heures. Ce rythme-là, on met une semaine pour arriver au Brésil. Si tu proposes, on appelle un taxi. On se met dans l'eau, on se laisse porter par le courant. Moi, je mets pas les pieds dans l'eau. T'as vu le nom saloperie qu'il y a là-dedans ? Y a pas plus de saloperie dans l'eau qu'à l'extérieur. C'est juste pas les mêmes. Il ferait mieux de faire un campement. La nuit va tomber dans 2 heures. D'accord. On prépare tout maintenant et on décolle à l'aube. Non, c'est toi qui as raison. Faut bouger tout de suite. Maintenant. Avant qu'ils nous rattrapent. Parce qu'ils vont nous rattraper. T'inquiète pas. Georges va nous dresser un périmètre de sécurité, d'accord ? T'as de la fièvre, repose-toi. Je viens avec toi. Je vais nous trouver quelque chose à manger. Ça te fait rêver, toi aussi, hein? Ben voyons. Les auréoles des saints, les sarcophages égyptiens, les icônes byzantines, les statues de Bouddha, les temples incas. C'est la même chose dans toutes les civilisations. Le symbole de la pureté, l'image de la perfection. 25 ans que j'entends ce genre de conneries. L'or est un alliage de sueur et de sang. Une saloperie qui se nourrit de cadavres, qui se transforme sans la moindre morale. Les dents en or récupérées dans le chambre à gaz sont devenues des gourmettes pour bébés, des médailles de baptême. N'oublie jamais ça quand tu regardes ton alliance. Qui t'a permis de toucher à ça ? Je lui donne sur ma part. Qu'est-ce que tu fais ? Tu dilapides déjà ta fortune ? Quoi, elle joue, elle ? C'est contre les moustiques. Ah bon ? Je vais finir par croire qu'on a bien fait de l'emmener. Il y a un mac là-dedans, il y a qu'à le prendre. Merci. On a Cuego. Va essayer de s'alarcer. Les radeaux sont prêts. Rien dit, moi. Tu prends le premier tour de garde. C'est moi. Tiens. Pourquoi tu me donnes ça à moi ? Parce qu'il était un gueule à dépecer les singes. Ah.
Pourquoi tu m'as attendu? Alors qu'il y a, vous pourriez déjà être au Brésil. Je t'ai pas attendu. Sinon, on a décollé un hélico. Il disait que c'était toi qui l'avais fait venir en Guyane. Ouais. Il y avait du boulot à la protection du site spatial. À la fin de la mission, il est resté pour chercher de l'or. Il t'a trouvé. Il faisait tout ça pour toi. Tu fais ça pour qui, toi? Pour moi. Je te crois pas. C'est pas l'or qui te motive. Peut-être que je m'ennuyais aussi. Voilà. J'y crois un peu plus déjà. Tu crois qu'on va s'en sortir? Alors qu'il est, je peux te dire que notre tête est mise à prix. Pas les salopards qui manquent dans le coin. D'habitude, ils s'entretuent pour quelques grammes d'or, alors pour 600 kilos. S'ils viennent pas pour l'or, viendront pour la prime. T'es pas très optimiste. Fermez vos gueules, merde! Saloperie de jungle! Être juste aux limites de la zone interdite. C'est un sanctuaire pour protéger les Indiens, on n'est pas censé y entrer. Ils ont volé 600 kilos d'or. J'ai prévenu Paris. C'est ici que ça se passe. Là, en bas. Si vous voulez à mon avis, il n'a aucune chance de s'en sortir. Si vous n'êtes pas capable de les retrouver, nous nous en occuperons nous-mêmes. Alors, putain, alors!
Tu vois de moins en moins bien. Non, touche pas. Qu'est-ce que j'ai? Il est vite zolo, depois de ter tocado uma mata. Temos que cuidar dele rápido e pode ficar cedo. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que t'as dû te frotter les yeux après avoir touché une plante urticante. C'est grave. Putain de voir là, bordel! Il y avait au moins 30 kilos d'or sur ce radeau! Ça s'est arrangé, hein. Ça s'est arrangé. Si j'ai pas soigné, il va perdre la vue. Si on abandonne l'or, peut-être qu'ils vont arrêter de nous poursuivre. C'est pas l'or qu'il faut abandonner! C'est le tien qui nous fout dedans! Moi, je dis qu'on a qu'à laisser ici! T'as qu'à demander à tes potes! Je suis sûr qu'ils sont d'accord avec moi! Il y en a marre de tes conneries! Alors maintenant, on va faire comme je dis! Arrête de me laisser faire. C'est juste des braconniers. Depuis quand t'as peur de passer pour un salaud, toi? On aurait dû les crever. Ils nous ont vus. Ils ont parlé aux Garimperos. Le problème, c'est pas les Garimperos. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que j'ai déjà travaillé pour des groupes miniers. C'est pas détendre. Une mine d'or, c'est une machine à faire du cash. C'est une caisse noire idéale. Les politiques, les services secrets, les réseaux parallèles, tout le monde en profite. Et nous, on vient de taper dans la caisse. Je peux vous dire qu'ils vont nous envoyer des professionnels. Une mine d'or doit être considérée comme inviolable. Maintenant, il y a un précédent. C'est mauvais, c'est un précédent. Vous ne pouvez pas nous reprocher l'action d'une bande d'aventuriers. Si vous faisiez mieux respecter, ça ne serait jamais arrivé. L'Afrique du Sud, on n'a jamais été braqué. Ils savent qu'on utilise le comptoir de Melchior pour acheter l'or des clandestins. Nous ne pouvons pas prendre le risque que ça s'ébruite. S'ils ne ressortent pas de la jungle, ils ne raconteront rien.
ça. Je connais cet endroit. Il y a deux ethnologues qui vivaient ici avec les Wayana. Je l'ai ravitaillé sur un Inselberg, pas loin. Ouais, ça peut nous aider, ça. Peut-être. Ce que je comprends pas, c'est ce qu'on fout là. Normalement, il y a un barrage de gendarmerie en amont. On aurait dû tomber dessus. Peut-être que les Indiens les ont becquetés. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? La rivière, elle a changé de sens. La marée. Les grandes marées peuvent changer le sens du courant. Je pensais pas que ça pouvait arriver aussi loin des côtes. Tu veux dire qu'on s'est trompé de sens? Ouais. On est remonté vers l'amont. La mer est de l'autre côté. S'il faut faire demi-tour, on a perdu deux jours. Enfin, qu'est-ce que tu racontes? Tu dis toi-même qu'on les a au cul. Il faut continuer à avancer. On est où? À la source? La brutive. Maintenant, c'est chacun pour soi. On a commencé ensemble, on va finir ensemble. Imagine qu'on s'en sorte chacun de notre côté. Et que t'ailles récupérer l'or, en oubliant de partager. T'es en train de me traiter de voleur? Réfléchis. C'est valable dans les deux sens. Vous perdez votre temps à discuter avec lui. Mais t'as pas sonné, l'aveugle. T'es foutu, tu m'entends? T'es foutu! Peut-être. Mais on va s'en aller ensemble. C'est bon, Enzo, lâche-le. Lâche-le. Enzo, s'il te plaît. Bon, je prends le premier tour de garde. Eles erraram a direção. Estão subindo o rio. Réfléchis. Si on arrive à se tirer de ce putain de merdier, j'arrête mes conneries, je raccroche. Et puis j'ai plus rien à me prouver. Tiens, il faudrait quand même que tu viennes me voir, je vends les pains. Hein? Je ferai une bourride. C'est ma spécialité. Putain, c'est bon la bourride. Tu prends. Thank you.
tu veux faire? Je vais les rattraper. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vois rien? T'as qu'à m'aider. T'inquiète pas, la jambe va le bouffer, crois-moi. Notre priorité, c'est de reprendre la route. Non. Le bébé va plus attendre. Vous faites ce que vous voulez, je reste avec elle. Donnez-moi vos portables. Le mien est foutu, il a pris l'eau. Donne quand même. Laissez-moi une heure. Maurice, c'est Virgile. J'ai besoin d'un coup de main. C'est ce que je crois, t'oublies. Je te demande pas la charité, je te propose une affaire. Tout le monde est au courant, on sait que c'est toi. 10 kilos d'or contre un hélicoptère pour le Brésil. Les flics m'ont déjà interrogé. C'est pas bon être ton copain. Réfléchis vite. J'ai pas beaucoup de réseau, si on est coupé, c'est foutu. 20 kilos. Ça marche. T'es où ? Zone interdite, sur l'Inselberg où je ravitaillais la mission scientifique. Oui, je connais. Je serai là à l'aube. D'accord. Fanco, le bastard. Où est le reste de l'or? Cura tua madre. Allez, agora! Ne me touche pas! Ah, Ah!
On va essayer d'aller dormir.
poisson, toi. Je me suis trompée à ton sujet. C'est censé être un compliment. T'imagines? Tu vas se regarder? C'est bon, t'inquiète pas. Je connais une bonne clinique à Rio. Je vais juste jeter un coup d'œil. Voilà. Boris nous a balancé. Pourquoi tu dis ça? C'est des appareils militaires.
Planquez-vous. Ils vont revenir. S'ils ont envoyé des hélicos, tu peux être sûr qu'il y a des commandos sur la rivière. Et alors? Je pue la gangrène. S'ils m'hospitalisent, il y a une chance de sauver mon bras. On va aller voir les gendarmes et on va se faire passer pour des Garimpeiros. Avec le bébé, il y a des chances qu'ils me descendent en pirogue. Ils seraient même foutus de nous rapatrier jusqu'au Brésil. Ça peut marcher. Viens. Pourquoi tu me fais ça? C'est moi qui les ai appelés. S'ils me trouvent pas, ils vont me chercher. Et s'ils me cherchent, ils vous trouveront, tous les trois. Je pensais que Lionel avait beaucoup de chance. Parce que tu me connais mal.